Aujourd'hui, notre couple du jour est là. Il s'appelle Justine et Jean-René. Bonjour. Déjà, avant de commencer, j'ai envie de dire qu'on est bien content d'être là. Oui, c'est vrai. On est très contents. C'est des passions, Jean-René? J'ai des passions. J'aime la pêche, j'aime la chasse. Mais je dois dire que ma passion, l'affaire vraiment qui me fait frétiller, comme elle me manque, si vous voulez, tellement toute la semaine, ma seule passion, c'est de me retrouver au calme, au coin du feu, avec ma douce. Et là, je suis heureux. Ah, ouais. C'est joli, ça, c'est, hein, ma douce. Ça, c'est romantique. Non. Ma douce, c'est une marque de bière au Québec. Quand j'ai ma douce, je suis heureux. Vous vous êtes rencontrés comment, les tourtereaux de la bière, là? Mais enfin, on s'est... on est gênés, là. Ouais. On est amoureux, on est c'est gênés. C'est intime. On s'est rencontrés sur une plateforme de rencontre. Plateforme électronique, comme qui dirait site de rencontre, c'est comme ça qu'on appelle ça en France. C'est un site de rencontre qui s'appelle « Je suis désespéré, mais avant de mourir, je tente ma dernière chance.com ». Voilà. Puis comme Justine a été désespérée, pareil que moi j'étais désespéré, ben de désespoir, ça... Ça fait un espoir. Ça fait un espoir. Du coup, ça a été un espèce de coup de foudre immédiat, tous les deux. Ah, j'ai le goût de faire l'amour. Oui, ça a été le coup de foudre, mais immédiatement, quand je l'ai vu. Tout de suite, enfin, la faute, je sais pas, mais le coup, moi j'ai pris un coup. Ben, si vous voulez, j'ai pris un coup à cause qu'elle ressemblait pas à la photo. Quand je l'ai vue, je dis « Hey, wow, pourquoi elle est pas comme sur la photo? C'était pas la même. » Bon, elle ressemblait à quoi? La photo? Ah ben, elle ressemblait à Céline Dion. C'était Céline Dion, comme qui dirait. C'était même pas à ressembler, c'était Céline Dion. Mais moi... Ah oui, sur la photo. Hein. Quand je te regarde, tu me rappelles plus René que Céline. Hein? Ah bon, c'est ça que tu vois quand tu me vois. C'est pas que je vois. C'est ça que tu vois quand tu me vois. Tu veux que je t'arrache les yeux, hein? Continue comme ça, je vais t'arracher tes deux yeux, là. Je vais te transformer ça en olive. Tu vas manger ça sur une quatre fromages. Hein? Tu veux que je te broie tes noisettes en bas, là? Non, attendez, on se calme, on va se détendre, on va jouer, hein? On va passer tout de suite à la première question. Tousse-toi là-bas parce que les gens nous regardent. Tu me fais la honte, là. Excusez-moi, les gens qui nous regardent. Bah, commence le jeu, toi. Allez, attention, on est parti. Pendant les vacances, Jean-René, il est plutôt sport à gogo, rando ou cocktail. Alors là, on est sport. Vraiment, on aime le sport. On fait l'athlétisme ensemble. Hein? Moi, je prends le javelot, je le lance. Et lui, il essaie de l'éviter. Hein? Tu vois, non? C'est ce qu'on appelle le sport à gogo. On va regarder le carton, Jean-René. Qu'est-ce que tu as répondu? Vas-y. Je te jure, si tu pleures, là, je vais te faire pleurer, moi, tout de suite. Je pleure par l'intérieur. Ah, émotion. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a écrit, hein? Usain Bolt, c'est ça? Oui, bravo, Justine. Allez. Ah, je le connais bien, hein? Je le connais bien. On va y aller maintenant avec une autre question, toujours pour vous, hein, Justine. Au lit avec Jean-René. C'est plutôt autoroute sans bouchon direction le paradis, ou bien ce serait plutôt la route nationale de campagne, celle qui est longue et laborieuse. Non mais c'est quoi ces questions-là? Oh! Non mais c'est quoi ces questions? Est-ce que moi je suis bison futé? Est-ce qu'on a dit que j'étais une carte routière? Pourquoi il pose des questions comme ça? Quand on fait l'amour, il ferme sa gueule. C'est moi qui commande ici. D'accord? C'est autoroute automatique. Il n'y a pas d'autre station. Faut pas me chercher. Je m'exprime. Je m'exprime. Mais t'es en train de nous faire passer pour des gens qui n'ont pas de maîtrise de soi-même. On fait l'amour, on aime, on est vrai. Jean-René, on va sortir le carton, la pancarte. Hein, il a bien répondu, le zozo. C'est très bien. Il a marqué ce que vous lui avez dit. Voilà, vous avez marqué des points, c'est bien. On va passer maintenant à une question sur Justine, donc, pour Jean-René. Dites-moi, JR, Justine, elle préfère le petit câlin du matin, celui qui réveille, ou alors elle préfère la petite caresse du soir, celle qui endort? Concentre-toi bien. Jean-René. Je dirais, de manière instinctive, la réponse 2. Vous vous moquez de moi, là? Non, pas du tout. Tu crois que j'ai pas vu quand non, tu as fait ça? Amour. Il t'a montré deux doigts. Tu crois que j'ai pas vu? Non, mon amour. Tu te moques de moi, toi? Oh! Tu te moques de moi? Tu crois que tu m'as vu?